Bienvenue parmi nous. Je suis très heureuse et ravie de vous accueillir tous, notre chère direction, nos chers invités et nos chers enseignants et étudiants. Nous sommes aussi très honorés d'avoir parmi nous notre chère invitée que je vais présenter dans quelques minutes. Mais avant tout ça, j'aimerais bien inviter notre cher directeur Si Taher Belardel pour nous honorer par ses mots toujours inspirants. Porque la vi. Ça fait 20 ans que je suis à la tête de cette institution. Avec mon âge aujourd'hui, je ne sais faire qu'une seule chose, c'est vous raconter des histoires qui vont vous amuser. Je profite de la présence d'un nom tunisien qui s'appelle Abdelkef pour parler d'Abdelkef et non pas de la conférence que vous allez faire. Je n'y comprends rien, de toute façon, heureusement pour moi. Comment j'ai rencontré ce nom au moment où je pensais créer Esprit. J'étais universitaire à la retraite et avec deux amis, on avait l'intention de monter une école d'ingénieurs qui formulait les ingénieurs autrement que ce que nous faisons dans le public. Et à l'époque, en 2000, l'État tunisien exigeait des promoteurs de l'enseignement supérieur un capital de 150 000 dinars. Pour monter un établissement d'enseignement supérieur. C'est dire que la bêtise, elle est déjà là. Comment l'État pense qu'avec 150 000 dinars, on peut monter un établissement d'enseignement supérieur de qualité? J'ai interpellé le directeur général de l'enseignement supérieur à l'époque, je lui ai dit, montrez-moi quel établissement public que vous avez monté avec 150 000 dinars. Vous êtes en train de bazarder cette activité qui est sacro-sainte. Et vous avez permis à des jeunes businessmen de vouloir faire de l'argent sur le dos de la science. Et comme évidemment, j'ai d'autres mauvaises qualités, donc nous avons toute notre vie, nous nous sommes bagarrés contre l'enseignement supérieur privé. Et finalement, je m'étais trouvé dans cette enceinte. Parce que j'étais obligé à l'époque, je ne suis pas à l'EFA, l'enseignement supérieur privé, pour prouver aux Tunisiens que lorsque nous appliquons nos normes des qualités internationales que nous connaissons pour la formation au cadre de l'enseignement supérieur, là où il n'y a pas photo, vous allez être les champions des champions et vous en avez la capacité. Et le public, justement, les normes de qualité, ça ne les intéressait pas. Eux, c'est l'activité. Moi, j'étais 40 ans professeur d'enseignement supérieur. J'ai 3 heures de cours par semaine. Et toute mon existence va passer pour pouvoir peut-être faire des innovations, pour pouvoir améliorer les enseignements pour les établissements publics. J'ai été obligé de faire ce projet parce que c'était un défi que je devais relever. Mais malheureusement, je n'avais pas d'argent, peut-être heureusement aussi. Les trois copains, on avait en tout et pour tout 20 000 dinars. Et on voulait monter une école d'ingénieur quand même. Et on nous a sollicité pour aller chercher de l'argent ailleurs. Alors, j'étais aux banques. Les banques, ça allait indiquer que j'étais là. Je me suis aperçu que ça ne coûtait absolument rien. Et donc, ils m'ont évacué très poliment. C'est un business sur le dos de la science. Têtu comme je suis, j'ai essayé de chercher quand même l'argent
Et j'avais à l'époque un très grand ami, c'était Raymond Brahma, avec lequel on jouait au tennis. Et un jour, lorsque je lui ai raconté mon projet, il m'a dit « Non, non, t'en fais pas, l'argent, je sais où ça se trouve, on va y aller. » Il a pris rendez-vous avec Ahmed Abdkef. Jamais entendu parler de lui, parce que je ne suis pas dans le monde de finances. Il nous a réussi pour un quart d'heure, une heure et demie, comme je suis bavard. Je pense qu'il a dit « Avec ce bavard, je ne mettrai pas mon argent. » On a été évacués aussi gentiment. Il a une imagination extraordinaire sur cette petite idée. Il avait bâti un empire. Et je n'ai pas vu cet argent arriver. Je pense qu'ils ont trouvé que le chef de projet a eu deux défauts, bavard, et n'ayant aucune expérience de business. Et la troisième, on ne peut pas financer une start-up avec un vieux qui a 63 ans. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on veut faciliter quelque chose, c'est des jeunes plutôt qui sont éligibles à ce type de financement. Et je n'ai pas eu. Pendant 2 ans, on a roulé notre bosse partout et on n'a jamais trouvé cet argent. Un jour, il y a eu le miracle. Lors d'un séminaire de la TUGE, j'avais fait la connaissance du directeur général de Fininvest. Il nous a vus, surtout il a vu mes camarades qu'il connaissait, et il nous a dit, vous avez votre projet, parce qu'on vous en êtes. On a dit, au point zéro. Il me dit, alors, après ceci, on va déjeuner à Carthage et on va essayer de voir comment... Et c'est ce jour-là que la naissance d'esprit a eu lieu. Grâce à Ahmed Abdelkef, parce que Fininvest, c'est une des sociétés de création qu'il avait réalisées pour pouvoir aider le démarrage des projets un peu innovants et puis un peu fous à la limite. On a fait quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, un business plan sur une page. Mohamed Zéou, on a pendu une page. Bon, exactement, excusez-moi le terme. Tout à l'heure, les étudiants, je vais faire en sorte, comme je suis 10 ans, ou un essai, si vous savez, à Dinaïs, ça a fait rigoler les spécialistes, quelques motos. Au cas où elle est vraiment, on a mis ce plan à nous lecter. La page est décollée. Évidemment, il y a beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Et on a trouvé de l'argent auprès d'une centaine de personnes physiques. Ahmed Abdelkef, je veux parler d'un système économique. Parce que j'ai Ahmed Abdelkef, une centaine de clercs, qui ont atteint les millions. On est associé avec. C'est le tiers du capital, personne physique. Le deuxième tiers, il y avait deux sociétés capitalistes, Fininvest et TITF. Le troisième tiers, on l'a vendu à beaucoup de sociétés qui sont supposées recruter nos ingénieurs, qui sont sociétés, GlobalNet, Omniacom. Tout le monde est rentré dans le capital. Pourquoi? Je ne suis pas le cas de la question de la question. Il y a un avantage fiscal. Il y a 15 dinars d'action de taille, et il y a 5 dinars. Il a récupéré 5 dinars des impôts de taille. Voilà comment l'aventure d'esprit a démarré grâce à un nom, Abdelkef. Et après, il y a eu justement ce parcours, malheureusement, comment je le qualifie, affolant. On a un business plan interne pour terminer, on a un double 500 étudiants, tout nouveau confondu. On équilibre notre budget, on a les sociétés technologiques. Ou avec les frais d'inscription, parce que je suis comme parce que vous savez, je suis un peu plus de temps.
mais toi tu vois le monde du bon 500 étudiants وأني فكرت نفسي يقولوا بحرام ما تصير لشكون التونسي المدبع اللي باش يبعث ولده يخلص عليه وقتها 400 دينار باش يعطيه البريفي باش يدبر شهاده ويخدم به زعمي ما تصيرش أنا قلت خليني نعمل يعني اش خسر فيه عندي هكا 100 دينار كان خسرتهم قبل ليهم aujourd'hui vous êtes 14 000 c'est un chiffre ديابوليك ما نصورش معناها مؤسسه مثل ماشي مؤسسه دون مود فرانكوفون فيها اوتون ديتيديون اوتون دي ديبلومي شاكاني يا اتوبي 2000 انجينيور كي سون بروبي بور لو مارشي ناسيونال و انترناسيونال اوجوردي جوبي كي سون توس ابي بار لو مارشي مونديال دابور نو زامي فرونسي و نو زامي المان و لا موبيليتي يا شاكاني يا اتوبي دو 500 جون كي بار فير دو ورسين كاباني اون المان Et nous avons fait tout ce qu'il a lieu de faire pour respecter les normes de qualité internationale. À la semaine, là, le BDRI, à la semaine, on m'a dit, ma niche haute richesse, à que surtout, bien d'homme d'arba, qui a l'homme qui a dit, ma niche à genoux, la gamme a dit, qu'a dit, la haïchine au col, ou les choux au fil au col, c'est grâce à la qualité individuelle de chaque Tunisien. Mais malheureusement, nous avons un énorme défaut. Nous ne savons pas être ensemble pour supporter notre pays et faire en sorte qu'on s'en sorte de cette crise unique dans le monde. Unique, on connaît tout. Et de manière, en tant que citoyen, en mettant notre médecin, je ne pensais pas vivre le bâchin chouf ou bled de l'eau. Nous, quand je fais des je ne sais pas ce qu'il fait. وجو باري اللي حبيت كل غدوه شو الايه باش نعرف تعالينا وحنا عايشين هكا مفرحين لاباس علينا بدات تقوم بدات تعمل هذيك القدره العجيبه نتاع لي جون اي سيت اوكازيون كي ما ايتي دوني جو فودي روندر هوماج ا سيدي احمد على خاطر من بعد الى ادوري سكو نو زافون في Et nous sommes devenus la société type Koul Magie, un grand financier, mais il y a des choses qui sont très importantes. Lorsqu'on dit, il y a une misère à l'esprit, mais surtout un succès, et il a mené à plus de francs. Je vous raconte ça parce que vous avez aujourd'hui l'opportunité, en sortant de cette institution, plus de francs 40 peuvent carburer, alors vous pouvez créer de la richesse, et nous en avons un grand besoin. Si Hamad Abdelkef, a créé ces établissements qui financent son fils. Évidemment, aujourd'hui, il se bagarre pour le payer par ses propres moyens, par ses propres idées. Évidemment, il y a des gens qui ont été financés. Je remercie Sitar pour cette histoire qui est toujours inspirante. Sans plus attarder, il me semble très difficile de prendre la parole après Sitar. Notre cher invité a choisi de nous aider à assimiler l'image économique de la Tunisie moderne, mais tout en nous amenant dans un voyage à travers l'histoire de l'économie tunisienne depuis 1956. Sans plus attarder, je vous prie de bien accueillir M. Fadel Abdelkefi. Bonjour, c'est Tahar. Tout d'abord, c'est Abdel Hamid. Merci beaucoup pour vos mots. Ça me touche beaucoup. Fut un temps où j'ai appartenu à un groupe financier privé qui a effectivement modestement aidé à la création de Esprit, qui effectivement, comme le disait Sitar, aujourd'hui est une destination et une sorte de showroom pour l'intelligence tunisienne. L'intelligence de concevoir, l'intelligence de manager, l'intelligence d'améliorer la qualité d'enseignement supérieur.
En rentrant dans la salle tout à l'heure, j'ai demandé à votre professeur de quel est le taux d'employabilité à la Sophie. Et j'étais extrêmement content d'entendre que plus que 90% des étudiants sortis de l'université de business, du moins, je ne parle pas des ingénieurs, sont recrutés au bout de 6 mois. C'est des standards internationaux des meilleures écoles qui se trouvent en Europe. Donc félicitations à Al-Sitahar et à ses compagnons d'avoir cru, d'avoir dépassé peut-être l'idéologie, puisque donc finalement, l'afa n'est pas autant l'afa que vous le pensiez. En tous les cas, merci beaucoup, je suis très, très content et à la limite je suis ému d'être ici parce qu'effectivement j'ai une relation personnelle avec cette institution. Je n'y ai pas beaucoup participé, mais j'appartenais, comme je vous le disais, à un groupe qui a modestement contribué à l'émergence de esprit au niveau de l'école d'ingénieurs, mais aussi aujourd'hui au niveau du business. La haqiqa, je voudrais aussi remercier Wafa, elle est où? Elle est là. Alors, je ne vais pas me tromper dans la prononciation de ton nom, qui est Mirri. Mirri, voilà. Merci, Wafa, beaucoup pour le, merci beaucoup pour le, l'invitation et merci à vous d'être ici. Je suis très impressionné de, d'avoir autant d'étudiants assister à une conférence qui va parler de l'histoire de l'économie en Tunisie. Sarah, tout d'abord, j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon sujet. On ne m'a pas imposé un sujet. Et ayant été étudiant à un moment de ma vie, il y a très longtemps, je pense que c'est bien d'être dans des sujets qu'on ne va pas appeler bateau, mais des sujets dans lesquels on va ajouter à l'économie l'histoire. Parce que l'histoire est très importante, l'histoire économique de la Tunisie. Aujourd'hui, j'ai face à moi des gens qui vont bientôt terminer leurs études et qui vont être les dirigeants de ce pays. Et je pense qu'il est très important de connaître l'histoire économique de la Tunisie. Le Qaïl Ekoul, pourquoi le deuxième sujet est le rôle des marchés financiers? Quelle est la relation entre l'histoire économique de la Tunisie, dans laquelle on va citer des noms prestigieux de grands leaders politiques tunisiens qui ont forgé la Tunisie moderne, la Tunisie après l'indépendance? Quelle est la relation, quel est ce passage un peu bizarre vers le rôle des marchés financiers? Le passage pour moi est évident, parce que nous parlons aujourd'hui de progrès social, nous parlons de croissance économique, nous parlons d'une Tunisie meilleure pour les Tunisiens. Et ceci ne peut se faire que s'il y a de l'investissement. Et si vous voulez des investissements, il faut des instruments financiers pour lever les fonds. Comme le disait Sitahar, l'idée était géniale, l'expérience de l'homme et des hommes qui ont constitué l'esprit était géniale. Ils ont travaillé dans le public, ils connaissent le problème du secteur public, ils avaient une très bonne idée, une très bonne équipe, mais ils avaient besoin de financement. Et il a commencé par vous dire que pendant quelques mois, il était un peu paumé de trouver ses financements. Donc c'est pour cette raison que je vais parler ensuite du rôle des marchés de capitaux et de la bourse dans le financement de l'économie. Ensuite, il se trouve que, je vais me présenter en deux mots, j'ai 52 ans, j'ai travaillé toute ma vie en Tunisie, j'ai étudié à l'étranger, et j'ai eu une chance inouïe dans ma vie professionnelle. J'ai eu une chance de pouvoir être dans le secteur privé, de voir naître des entreprises, de voir naître des idées, telles que le leasing, le factoring, le fleet management, le capital risque avec Africa Invest, la gestion d'actifs, l'intermédiation en bourse, le corporate finance, l'émergence des marchés de capitaux en Tunisie, la création de la bourse, la création de la dette publique tunisienne sur le modèle français des OAT. Mais j'ai eu aussi une chance de pouvoir servir mon pays du côté du secteur public. Et à ce moment-là, j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai senti pleinement le potentiel économique de ce pays qui est quelque part bloqué par un arsenal juridique obsolète, par des lois vieillissantes, par une lourdeur administrative et bureaucratique qui bloque aujourd'hui l'émergence ou la libération des énergies de personnes comme vous. Aujourd'hui, malheureusement, si vous avez de bonnes idées, il y a très peu de mécanismes de financement pour vos projets en Tunisie. Mais ceci peut changer, peut parfaitement changer. Nous connaissons le problème et nous avons des solutions. Comme le disait Wafa, pourquoi j'ai choisi l'histoire économique de la Tunisie? On va faire un petit voyage dans l'histoire de la Tunisie, c'est très important.
Moi-même, j'ai des enfants qui ont votre âge et je suis des fois triste de savoir que ma fille qui a 25 ans ne connaissait pas le discours de Bourguiba du Palmarion. Il y a un discours fondateur de la naissance de la nation en Tunisie. Je suis étonné de ne pas reconnaître dans les gens qui ont votre âge les grandes personnalités politiques et économiques des 65 dernières années. Et je pense que c'est important pour vous de connaître l'histoire de la Tunisie pour mieux préparer l'avenir. D'ailleurs, je citerai Victor Hugo, le grand écrivain et poète. Il disait très simplement « L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Celui qui veut bâtir un avenir doit bien comprendre le passé pour une simple raison. Capitaliser, investir dans les choses qu'on a réussies, ajuster, régler les choses qu'on n'a pas réussies. » Et dans l'histoire économique tunisienne, que je vais partager en 5 grandes étapes, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, il y a eu de bonnes choses, des choses moyennes et des choses pas bonnes qui ont été faites. Tout le génie des pays qui ont avancé était à chaque moment de faire ce qu'on appelle une rétrospective. Une rétrospective pour bien comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas mal fonctionné. Aujourd'hui, tout le monde dit que les 4-5 grandes décisions du président Bourguiba, qui n'était pas un économiste, ont bâti la nouvelle Tunisie. Je vous donne juste un exemple. Le planning familial en Tunisie. Le planning familial a été instauré très tôt. Et si le planning familial n'avait pas été mis en place, aujourd'hui, d'après les statisticiens, on aurait été autour de 25 millions de Tunisiens, peut-être même 30. Basiquement, si nous sommes à bonne distance des sujets, on dirait que les problèmes de la Tunisie seraient multipliés par 3, très simplement. Le code du statut personnel, aujourd'hui, si nous voyons dans la salle, je pense qu'il y a une majorité de femmes dans la salle. Si vous voyez le corps de la justice, si vous voyez le corps médical en Tunisie, toute cette émergence ne pouvait pas se faire sans décision politique. Et d'ailleurs, bizarrement, Bourguiba peut-être a agi en tant que dictateur éclairé, en tant que despote, si je peux m'exprimer ainsi, éclairé. Parce que s'ils avaient peut-être, à l'époque, fait subir ces idées-là, ou fait passer ces idées-là par le suffrage populaire, il aurait peut-être perdu le suffrage populaire. Mais ils savaient pertinemment que pour le progrès de la Tunisie, il fallait très vite mettre en place le planning familial, investir dans l'éducation, investir dans la santé, mettre en place aussi, vous savez, la France de Giscard d'Estaing, il y a eu une très grande ministre très connue qui est Madame Veil, qui a introduit l'interruption volontaire de grossesse en France, l'IVG, qui était un très grand sujet sociologique et social à l'époque en Europe. La Tunisie l'a voté plusieurs années avant. Tous ces progrès ont été incontestablement liés au progrès des réels économiques. Donc, ce que je disais, mieux préparer, mieux comprendre le présent et planifier en regardant ce qui s'est passé dans le passé. Les 5 étapes dont je vais vous parler, qui sont grosso modo, ne retenez pas beaucoup, vous n'êtes pas là pour écrire, mais juste en sortant, j'espère que vous allez retenir quelques idées et quelques noms. Je présenterai rapidement 5 étapes. Il y a eu les années 60 jusqu'aux années 70, les années 70 jusqu'en 1980, la crise de 86, ensuite les 23 ans de l'ère Ben Ali et après la Révolution. C'est important de décortiquer ces 4 ou 5 étapes importantes de la vie de la Tunisie, de la vie économique. Maintenant, ça va sans dire, toute période est quelque part caractérisée par le leadership, par les protagonistes de cette époque, par les idéologies aussi. Parce qu'avant, il faut se rendre, quand on va faire un voyage dans le passé, il faut savoir que les idéologies étaient très fortes dans les années 60. Il y avait des gens qui étaient ancrés très à gauche, il y avait des gens qui étaient ancrés très à droite, il y avait réellement des politiques de gauche, des politiques de droite, il y avait un conflit mondial qu'on appelait la guerre froide qui était installé, et chaque camp considérait qu'il avait raison. Moi, je considère aujourd'hui modestement, qu'aucun camp n'avait raison économiquement parlant. Il n'y a pas une politique socialisante qui a réussi, il n'y a pas une politique libérale qui a réussi. Je ne vois quasiment aucun cas dans le monde sur les 60-70 dernières années dans lequel un pays
ses vies libérales et a réussi, c'est-à-dire libéral, il a laissé les forces de marché agir dans tous les domaines, ou un pays qui s'est considéré que l'ingérence étatique était la solution unique, et c'est un pays qui a réussi. Nous avons l'exemple devant nous de l'effondrement de l'Empire soviétique et de tous les satellites qui entouraient l'Empire soviétique. Donc, je veux tout d'abord rendre hommage aux grands hommes de la Tunisie. Il y a eu de très grands hommes. Je vais parler de Bourguiba, mais je vais parler de Serhat Ben Salah, je vais parler de Sidi Bouzid. Je vais parler de ces grands hommes qui ont bâti la Tunisie d'aujourd'hui, que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est peut-être grâce à cette conférence qu'on va pouvoir peut-être se rappeler du bon souvenir de ces grands bâtisseurs, de ces grands commis de l'État qui ont servi le pays. Grosso modo, nous disposons de à peu près une heure et demie. On va faire un peu moins, donc je vais parler 30 minutes au moins. Ensuite, je vais laisser la salle me poser les questions que vous souhaitez, que ce soit dans le sujet que je présente ou dans d'autres sujets peut-être. Sachant, on part du principe très simple qu'il n'y a pas de question qui est simple, mais qui est bête. Il n'y a que des réponses bêtes. Donc n'hésitez jamais, à votre âge, à poser des questions. Jamais. Il n'y a pas de question qu'on ne pose pas. Du moment, bien sûr, on la formule d'une manière courtoise, on va s'en dire. Donc, c'est pour ça que je prie y poser des questions, mais pas d'une manière très courtoise. Donc, tout d'abord, ça fait 65 ans qu'on est indépendant. L'indépendance tunisienne, comme vous le savez tous, a démarré en 54 avec l'indépendance partielle, qui a duré 2 ans. Et c'était une politique, encore une fois, de Bourguiba, une politique des États. Bourguiba l'a accepté, d'autres factions au sein des Destouriens ne l'ont pas accepté, notamment les militants ou les partisans du grand Salah Ben Youssef. Donc 56, 20 mars 56, on est indépendant. Bourguiba avec ses compagnons se retrouve dans un pays dans lequel il y a 12 000 fonctionnaires français. Et il y a une première étape qui est intéressante à vous commenter, c'est la période 56-60. 56-60, il y a eu la nationalisation. Tout ce que vous voyez aujourd'hui a été nationalisé en 4 ans. Tout d'abord, on a dû virer peut-être le mot est impropre, on a dû remplacer plusieurs milliers de hauts fonctionnaires français. Donc les Tunisiens indépendants ont pris, et c'est pour ça que Sylvie Gilles disait, vous savez, Anna Bourguiba m'a appelé un jour en me disant à 22 ans, je devais être ministre ou sous-ministre. Comment je peux l'être? Mais je n'ai pas le choix, de toute façon, c'est vous ou rien. Donc vous allez l'être. Donc des gens qui avaient votre âge étaient au plus haut poste de responsabilité. Sylvie Gilles a formé la garde nationale très tôt. Chacun s'occupait d'un sujet. En fait, Bourguiba s'est retrouvé avec ses compagnons qui étaient des militants, qui étaient des gens qui ont fait de la prison. Et du jour au lendemain, c'était des gens, les mêmes personnes, devaient bâtir le pays et le diriger. Donc la khira, la formule où les moments ont été très compliqués. Donc 56-60, en deux mots, c'est une nationalisation générale. Les fonctionnaires, nationalisation des chemins de fer, nationalisation de l'électricité et de l'eau, donc ce que nous connaissons aujourd'hui, la STEC, la SONET, et surtout, un point de la souveraineté nationale. Vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, jusqu'en 58, la monnaie tunisienne était le franc tunisien. Et donc, 58, il y a la création de la Banque centrale de Tunisie avec Sidi Nouera et la création du dinar tunisien qui était totalement pégé au franc français. D'ailleurs, il y a eu même une dévaluation française que Bourguiba a décidé de ne pas suivre. Et donc, à un moment, ce fut un autre temps où le dinar tunisien était plus fort que le franc français. Bon, vous avez une idée sur le dinar et l'euro aujourd'hui. Voilà, merci. C'était juste pour vous rappeler ça. L'émission, donc la Banque centrale tunisienne, c'est ce qu'on appelle une banque d'émission, ce que nous appelons une banque centrale, le banquier central. Il faut savoir que le franc tunisien était émis par la banque tuniso-algérienne. Ce n'était pas une banque centrale tunisienne, ce n'était pas une banque centrale algérienne, c'était une banque pour les deux pays. Donc c'était des années quand même très importantes pour la mise en place de la souveraineté, le début de la souveraineté nationale, la prise en main de cet État. 60-69, j'appellerai ça l'expérience socialiste ou des coopératives. Malheureusement. Allez, j'en parle malheureusement. Khater Lioum, la Khéka, le temps n'est pas encore arrivé pour dire que si Ahmed Ben Salah a fait beaucoup de belles choses pour la Tunisie, beaucoup de bonnes choses, qu'il s'est peut-être trompé sur un sujet et qui, malheureusement, dans la perception populaire,
Cette erreur est restée ancrée. Ahmed Ben Salah, tout d'abord, c'est le secrétaire général de l'UGTT. Je vous raconte ça juste pour comprendre les accointances du pouvoir politique, comment Bourguiba va nommer le premier secrétaire général du GTT après Farhat Hachette, le nommer quasiment comme le super ministre de son gouvernement. À l'époque, si Ahmed cumulait plusieurs portefeuilles ministériels, il a culminé à un moment à 8 portefeuilles ministériels qui allaient de l'éducation jusqu'aux finances en passant par l'agriculture. L'ère Ahmed Ben Salah a été effectivement, dans l'esprit des Tunisiens, un grand rattache. Et c'est strictement faux, du moins, c'est mon humble avis. Pourquoi ? Parce que toutes les infrastructures routières, tous les hôpitaux, tous les barrages, tout ce qui s'est fait au niveau de la mise en place d'un nouveau État, l'Office de commerce tunisien, l'Office des terres domaniales, la réorganisation de la RNTA, la récupération des terres agricoles, tout ça s'est fait sous l'ère de Ahmed Ben Salah. Votre Ahmed Ben Salah avait comme exemple la Suède. La Suède d'Olaf Palme, dont il était un grand ami personnel. Et vous savez que le modèle nordique est un modèle très particulier. C'est beaucoup de fiscalité, mais une qualité des services publics que vous ne trouverez jamais nulle part ailleurs dans le monde. Essayez des bus ou des trains ou des hôpitaux suédois ou norvégiens. En tous les cas, cette relation, il voulait très vite, sur la récupération des 500 ou 600 fermes des Français, qui constituaient à l'époque les 200-250 000 hectares des plus productif de la Tunisie de l'époque, il voulait très vite aller dans des coopératives. Je vais vous raconter une anecdote invraisemblable. Vous savez que le premier plan de financement des coopératives a été financé par la Banque mondiale. Il faut être un véritable génie pour convaincre la Banque mondiale de financer des coopératives. Et pourtant, Ahmed l'a fait. L'erreur peut-être qui a été faite pour lui rendre hommage et parler sereinement de cette période. L'erreur qui a été faite, on aurait dû être dans des coopératives de services et non pas des coopératives de propriété. Parce que venir dire à quelqu'un qui a 100 hectares qu'il est à égalité avec la personne à côté qui a 20 hectares et qui vont devenir frères et propriétaires ensemble, d'un point de vue humain, ni des Tunisiens, ni d'autres nationalités dans le monde ne l'acceptent. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont totalement déserté l'agriculture tunisienne. Et malheureusement, l'État tunisien s'est retrouvé avec les meilleures fermes qui étaient devenues improductives, totalement improductives. Donc la khiqa, je veux insister sur cette période que nous avons appelée l'expérience socialiste ou la coopérative ou le dirigisme de l'État. Mais il faut savoir que le textile a été lancé à cette époque, que les industries lourdes ont été, que toutes les grosses infrastructures, etc., Ahmed Ben Salah, comme un homme politique en 69, en septembre 69, a quitté la Casbah pour aller à l'île de Tunis. Et c'était la fin de l'expérience socialiste en Tunisie, ou l'expérience dirigiste. Très vite après, dans les années 80, donc 70, Hedinur arrive. Hedinur, il faut toujours rappeler que Hedinur a été aussi un militant. Ce n'était pas ni un économiste. C'était un militant de la première heure, et Bourguiba a fait appel à cette personne qui a fondé, je vous le disais tout à l'heure, la Banque Centrale Tunisienne. Et on a eu ce que nous avons appelé, ou ce que j'appelle, une politique libérale sous contrôle. Ça ne s'est jamais vu aussi dans le monde. Ou on est libéraux, ou on n'est pas. Silhedi a commencé à libéraliser en étant extrêmement précautionneux, et c'est là où il a mis en place, par exemple, le système de la compensation. La compensation alimentaire, la compensation énergétique, la compensation du transport. Et donc le modèle de Silhedi était très simple. L'agriculteur produit, il essaye de produire à moindre coût, l'État est là pour compenser les produits de première nécessité et les salaires sont très bas. Voici le modèle économique qu'a mis en place intuitivement Silhedi. Et ensuite, il y a eu la fameuse, la grande idée d'avril 72. Avril 72, parfois, la Tunisie a changé de tête sur une simple décision. Bijarrat Qalam. Parfois, avec Bijarrat Qalam ou la Zabdachi. Par un coup de plume, par un coup de crayon, Silhedi a décidé juste d'accepter que des entreprises soient totalement exportatrices, qu'ils ne soient plus sous surveillance de la douane et qu'ils peuvent rapatrier les devises
Et il y a eu des centaines de milliers de personnes en Tunisie qui ont commencé à travailler dans le textile. Il y a eu des bassins d'emploi énormes, notamment dans la région du Sahel. Et la Tunisie est devenue, du coup, un pays exportateur. Je vous passe que pendant cette période, vous êtes trop jeune pour le savoir, la Tunisie était exportateur net de pétrole. La Tunisie était exportateur net de pétrole. Et un des plus gros revenus de la balance ou du budget de l'État, c'était le pétrole. Il faut savoir que la crise énergétique de 1973 a été extrémiste à la Tunisie. Parce que le Burma produisait encore. On était en pleine crise de 1973 entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. et les États-Unis. Et il y a eu une flambée du prix de pétrole. Prix de pétrole qui flambe, le phosphate flambe avec. Donc, à cette époque, il faut savoir, ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut savoir que la compensation du pétrole, de l'énergie aujourd'hui, coûte à l'État tunisien entre 4 et 5 milliards au prix actuel réajusté. 4 à 5 milliards de dinars, parce que le vrai prix à la pompe devrait être à 4 dinars 500 et non pas à 2 dinars 500. Le différentiel est compensé par le budget de l'État. Donc il faut savoir que ces années-là, c'était des années fastes économiquement. On faisait des croissances de l'ordre de 8%. Et Silvedi, jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme l'homme politique, comme le premier ministre qui a réussi ses politiques publiques, le tourisme, le phosphate, l'agriculture, la création de l'API, que vous connaissez sans doute, l'Agence de promotion de l'industrie, la loi d'avril 72. Mais malheureusement, et c'est ça les grandes conclusions auxquelles je veux arriver, souvenez-vous de ce que je vous dis depuis l'ère de Ben Salah. OCD, la question qu'on se pose, est-ce qu'elle existe encore ou non? La réponse est oui. L'OTD, Office des Terres Domaniales, est-ce qu'elle existe encore? Oui, elle existe. Au fait, la Tunisie n'a pas connu jusqu'aux années 80 ce qu'on a appelé une rétrospective de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a un grand ministre qui s'appelle Mansour Maalla, qui, à la sortie de Ahmed Ben Salah en 69, bien sûr, donc bizarrement, tout le monde a trouvé au lendemain du départ de Ahmed que sa politique était complètement erronée, qu'il s'était trompé. Un jeune ministre à l'époque, à ce moment, a fait ce qu'on appelle les rétrospectives des Sénats. D'ailleurs, si vous les retrouvez, c'est un document d'une centaine de pages, je vous encourage vivement à le lire. Qu'est-ce que voulait démontrer Mansour Maalla? Bien sûr, nous sommes un pays de planification, d'en fait des perspectives décennales ou des perspectives quinquennales. Je nomme une rétrospective décennale des années 60-70 pour dire ce que je disais dans mon introduction. Où est-ce qu'on a réussi? Où est-ce qu'on a moins bien réussi? Et qu'est-ce qu'on a raté pour corriger? Si Mansour a été parmi les très rares à ne pas dire toute l'ère de Ben Salah a été une mauvaise ère, où toute l'ère, où toutes les décisions qui ont été prises par les gouvernements d'Ahmed Ben Salah ont été de mauvaises décisions. Donc si vous retrouvez ce document, moi je vous invite franchement à le lire, c'est un document très précieux. Je termine très vite l'histoire contemporaine de la Tunisie. Il y a eu l'événement de Gafsa, où on a été attaqué. Silhedi part, c'est Mohamed Mzali le remplace. Ensuite on arrive dans une crise majeure, une crise où le pays devient importateur, notamment de pétrole, crise pétrolière, crise de la balance des paiements. Nouslou Hatta Fitounes, il faut savoir que la Tunisie était en cessation de paiement en 1986. Donc on passe par un plan d'ajustement structurel auprès du FMI, et c'était la première fois de l'histoire de la Tunisie que l'État tunisien fasse appel et puisse faire appel au Fonds monétaire international. Bon, depuis la révolution, vous avez tous suivi que chaque deux ans, on va au FMI. Ensuite, l'ère Ben Ali a été, il y a deux ou trois grandes idées. Ben Ali, tout d'abord, le gouvernement de Ben Ali a signé l'agrément ou le traité de libre-échange avec l'Europe. C'était un changement extraordinaire qui s'est passé en Tunisie. 1995, on signe l'accord de libre-échange et on le met en place en 2008, c'est-à-dire on a pris 8 ans pour faire ce qu'on a appelé la mise à niveau du secteur industriel tunisien. Ils ont signé directement, vous prenez le cas du Sénégal, le Sénégal a perdu 3/4 de son tissu industriel. Il fallait préparer l'industrie tunisienne au choc qui allait se créer en les mettant directement avec la concurrence internationale. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de cette ère, c'est qu'il y a eu une croissance, mais malheureusement, la croissance n'était pas inclusive. Inclusive tout d'abord par rapport aux catégories socioprofessionnelles, mais aussi par rapport aux régions.
Yani la carte économique de la Tunisie était une carte, il y avait une économie au littoral, il y avait une deuxième économie à l'intérieur du pays. Et c'est ça où Kharjet El Mashour en bas, Thawra Tahmish. Bien sûr, elle a été utilisée à tort et à travers. Bon, pour ceux qui sont de m'aider, vous n'allez pas vous fâcher. L'anecdote que j'ai vécue au Parlement, c'est que un parlementaire très intelligent m'a dit un jour, Saïd Wazir, Ahna Wilay, Dekhilay, vous charit Sahib. Alors, si vous avez suivi quand même la gymnastique sur le mental. C'était juste pour dire, à l'intérieur du gouvernement de Mehdi. Au fait, ce qui caractérise la Tunisie aujourd'hui, c'est trois sujets. La grande pauvreté qui touche quasiment toutes les régions. À peine à 2 km à vol d'oiseau du bureau du chef du gouvernement, vous allez trouver de la grande pauvreté. À 3 km à vol d'oiseau du palais de présidentiel, vous allez trouver de la grande pauvreté. Deuxième sujet, c'est le chômage, notamment le chômage des jeunes. Et troisième sujet, c'est le contexte environnemental catastrophique de la Tunisie dans toutes ces régions, qu'elles soient touristiques, agricoles ou pas touristiques. Partout, ça, il y a eu un effondrement du système de l'environnement ou de la protection de l'environnement. 2010 jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. Juste retenez quelques chiffres. Quand Ben Ali est parti, la situation macroéconomique de la Tunisie pouvait se comparer aux meilleurs pays qui ont signé le traité de Maastricht. Je vous rappelle que le traité de Maastricht, c'est un traité de convergence économique. Il est habitué de l'Union européenne. L'exigence était qu'il ait moins de 3% de déficit par rapport au PIB, que l'inflation soit maîtrisée. Il y a plusieurs critères socio-économiques et macro-économiques. Quand Ben Ali est parti, le budget d'État était de 18 milliards de dinars. Aujourd'hui, il est de 60 milliards de dinars. Le déficit budgétaire était facialement à 1%, mais techniquement, on était en excédent budgétaire, parce que le Trésor public plaçait 5 milliards de dinars auprès de la Banque centrale, ce qui était les privatisations de Tunisie Télécom et les revenus de la Banque centrale et les revenus des phosphates tunisiens qu'on n'avait pas touchés. La dette rapportée au PIB était de 25%. Et on était à l'époque autour, grosso modo, de quelques, peut-être 30 milliards de dinars, 25-30 milliards de dinars. Aujourd'hui, les chiffres ont complètement changé. Le déficit budgétaire a explosé, on est à plus que 10%, l'inflation frôle les 10%. La dette par rapport au PIB est au-dessus de 5%, nous sommes à plus que 100 milliards maintenant de dette, sans compter les garanties données par les entreprises, par l'État aux entreprises publiques. Quand l'État sortait sur le marché international, ou à la STEG, ou à la STIR, elle n'avait pas besoin de garantie de l'État. Aujourd'hui, ils ont besoin de la garantie de l'État. Donc si vous calculez tout ça, vous allez vous rendre compte que la dette a complètement explosé. Donc voilà la situation. Maintenant, j'arrive à quoi? Pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi je suis passé par tous ces cheminements historiques? Pour arriver à une seule conclusion. On veut parler de l'avenir de ce pays. Et l'avenir de ce pays ne peut changer, à mon sens, que si nous répondons à une seule et unique question. Quel est le rôle économique de l'État en 2022? Il ne peut pas être celui de 56. Il ne peut pas être celui de 60. Il ne peut pas être celui de 1980. Et je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un État qui a toujours l'office de commerce tunisien, qui a des centaines de milliers d'hectares de terres domaniales, qui a une banque agricole qui n'a d'agricole que le Nantes. La BNA donne 6% de ses crédits à l'agriculture. Qui est un État qui vend du pétrole au détail, la société Agir. Un État qui vend du tabac. En même temps, vous avez 20% de Tunisiens qui sont sous le seuil de pauvreté. Vous avez un système éducatif par terre. Vous avez un système de transport public par terre. Vous avez un système d'enseignement supérieur public cette fois, par terre. Vous avez un système sanitaire par terre. La question que j'arrête pas parce que c'est tard, merci beaucoup d'avoir fait référence à ça. Moi, j'ai quitté, disons, le secteur privé pour m'investir dans la chose publique et dans la politique. Et ce que je défends aujourd'hui, c'est de se dire, de se mettre autour d'une table paisiblement, sans idéologie, et sans commencer à se dire tous les sujets, moi je préfère, en deux mots très simplement, dégager la puissance de feu financier qui est immobilisée aujourd'hui
immobilisés dans l'OTD, dans la RLTA, dans plusieurs banques, la dégager et la réorienter vers ce qu'on appelle le comportement social concern, c'est-à-dire envoyer les fonds aux personnes les plus vulnérables de la société et principalement la précarité et la grande pauvreté. Et là, le sujet principal, bon, on peut en parler longuement, je ne vais pas m'attarder sur ça, j'attendrai peut-être vos questions. Donc, Elioum, il faut savoir, je termine sur ça, que je ne suis pas quelqu'un qui prône une politique libérale. La politique libérale, manchach. Je ne suis pas aussi quelqu'un qui est là pour dire qu'il faut un dirigisme de l'État. Il faut simplement, aujourd'hui, gérer l'État cas par cas. On peut totalement, à 8 heures du matin, prendre une disposition qui peut sembler socialisante. Comment vous allez lutter contre la pauvreté ? C'est par des fonds de soutien, qui sont des fonds publics. Mais à 10 heures du matin, vous pouvez faire sauter 10 ou 15 ou 20 autorisations administratives qui vous empêchent de travailler, qui vous empêchent de créer. Il faut réformer la loi Matin de change de 1976 qui ne permet pas la crypto-monnaie. En tout, Malium, si vous êtes des ingénieurs financiers ou des ingénieurs, et si vous travaillez pour le camp des étrangers, et si vous facturez en euros, et si vous prenez ces euros, et vous les changez en crypto-monnaie, un juge tunisien vous met en prison. Le juge tunisien est juste en train d'appliquer les lois tunisiennes. Donc, c'est la révolution à laquelle je pense, à laquelle je crois, qui, avec mes compagnons, nous sommes en train de dire que libérer le potentiel des Tunisiens et des Tunisiennes et tout le pays va changer de tête. Comment on va le libérer? En faisant du partenariat public-privé, en faisant des concessions. Je termine sur un sujet qui peut vous sembler trivial, mais ce n'est pas grave, réfléchissez-y. Un pays qui a autant de pauvreté, autant de soucis au niveau des finances publiques, gère un port de plaisance. Aujourd'hui, les ports de plaisance en Tunisie sont gérés par l'État. Les concessions en Sicile, maintenant, c'est des centaines de concessions données aux jeunes pour faire des ports privatifs de plaisance, parce que le sujet de l'État n'est pas de s'occuper d'un port de plaisance. Il a d'autres sujets beaucoup plus prioritaires que de s'occuper d'un port de plaisance. Les sites archéologiques, même chose. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas les citer tous, mais beaucoup d'exemples de bon sens. Ce n'est pas du génie, c'est du bon sens. De penser que la Tunisie peut totalement changer si nous reprenons l'arsenal juridique et si nous l'allégeons. L'arsenal juridique qui est devenu aujourd'hui totalement obsolète. Dernier mot de la présentation. Alors pourquoi dans tout ça le rôle des marchés financiers? Très simplement pour une seule raison. Aujourd'hui, 94% du financement de l'économie tunisienne se passe par le système bancaire et parabancaire. Banque et leasing. La banque aujourd'hui est toujours dans un business model de prêteur à gage. C'est un le disait. Et quand il est allé voir sa banque avec une bonne idée, une bonne expertise, la première réaction des banquiers a été de lui dire « Est-ce que vous avez une garantie ?» Et bien sûr, lui, il a passé sa vie à travailler, je présume qu'il avait une maison, il n'avait aucune envie de mettre cette maison en garantie par rapport à aucune idée folle. Mais il n'y avait pas un banquier qui a pris le business plan, qui l'a lu, qui a écouté Sitar et lui a dit « Banco, on y va ensemble. Moi, je vous finance, je vous accompagne parce que je crois dans votre projet, je crois dans votre expertise, je crois dans votre probité, je crois dans votre capacité à travailler. » Les 6%, le Khrin, les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est quoi? C'est les marchés obligataires et les marchés des actions. C'est la bourse de Tunis. Le contraste qu'on a aujourd'hui, c'est que si vous comparez la bourse de Tunis, technologiquement parlant, légalement parlant, elle est au meilleur standard de ce qui se fait de mieux dans le monde. Je vous donne des exemples. On utilise un système électronique utilisé en Europe de négociation. On a un fonds de garantie de marché. On a une banque centrale des titres qui dénoue sur des settlements à J+3. Nous avons des analystes financiers. Nous avons des intermédiaires en bourse qui produisent de la recherche. Il y a tout ce qu'il faut. Nous avons un régulateur qui s'appelle le Conseil du marché financier sur le modèle français de l'AMF ou le modèle anglais américain de la SEC. Mais, 80 et quelques sociétés cotées, toute la capitalisation boursière tunisienne représente à peine 20% du PIB, alors que dans le monde entier, ça représente généralement plus que le PIB d'un pays. Et le financement, le vrai financement, représente à peine 6 à 7%. Or, les avantages
d'être en bourse sont plusieurs avantages. Tout d'abord, la bourse permet, en introduisant une société comme Esprit Inch'Allah un jour, de recapitaliser. Elle peut permettre à la société, en rentrant en bourse, de lever des fonds qui ne vont pas aux promoteurs. C'est une augmentation de capital, donc ça vient renforcer les fonds propres. Ah oui, Tenishay, là où il y a un énorme souci de transmission d'entreprises en Tunisie. Les entreprises tunisiennes sont des entreprises familiales. Et les entreprises familiales périclitent, c'est une statistique mondiale, au bout de 3 générations. Une entreprise privée, une entreprise familiale, ne dure pas au-delà de 3 ans. Moins que 5% des entreprises familiales durent au-delà de la 3e génération. Et la seule solution qui existe dans le monde, et vous savez pourquoi ? Parce que le génie du fondateur n'est pas transmissible. L'envie de manager et d'être dans ces métiers n'est pas transmissible. Vous pouvez avoir quelqu'un de génial dont le fils n'a pas envie d'être dans ce secteur, n'a peut-être pas les capacités. Et donc, de ce fait, dans le monde entier, on a trouvé une formule très simple où ils ont séparé l'actionnaire du manager. Pour pouvoir séparer l'actionnaire du manager, il faut introduire la société en bourse et aller recruter un bon manager et laisser la famille comme étant des actionnaires. Troisième élément très important à mon sens, c'est l'élément de la transparence fiscale. Une société cotée est substantiellement plus transparente qu'une société non cotée. Et ça, c'est au bénéfice des recettes fiscales. Si vous avez une société cotée en bourse, ça va sans dire que cette société paiera plus d'impôts. Donc tous ces éléments font que, aujourd'hui en Tunisie, on a réussi sans doute la mise à niveau de l'infrastructure technique, légale. On est très fort dans ça. On adore copier-coller des lois. On est très bon dans le setup. Et même pas le setup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous faisons de la Bourse de Tunis? Je termine en disant que la Bourse de Tunis, comme toute bourse dans le monde, est un showroom pour un pays. Si vous avez un investisseur qui vient d'étranger, il va vous poser 10 questions. Situation politique du pays, situation sécuritaire, situation sociale, les lois, Ensuite, il y aura une question, et comment ça se passe au niveau de votre bourse? Parce que la bourse est un showroom, parce que la bourse est un élément de marketing d'un pays. Malheureusement, les pouvoirs publics en Tunisie, en dehors d'avoir mis à jour et élevé le niveau technologique et légal de la bourse de Tunis et les marchés financiers en Tunisie continuent à jouer un rôle extrêmement modeste, principalement dans le financement de l'économie. Il est un peu moins modeste dans le financement de l'État. Tout ce que vous voyez aujourd'hui au niveau de la levée du trésor public est fait grâce au marché obligataire et grâce au bon du trésor assimilable. C'est des milliards de dinars qui sont levés chaque année en faveur du trésor public à partir du microcosme financier en Tunisie dans lequel se trouvent des opérateurs tels que les SICAV obligataires, etc. Je peux répondre peut-être à toutes ces questions. Donc voilà le lien que je voulais faire en conclusion. L'histoire de la Tunisie économique est très importante. Elle dépend incontestablement des protagonistes, des leaders politiques, des idéologies. Vous avez vu qu'on est passé, d'une manière de faire totalement différente sur les 4 décades à peu près. Résultat des courses, on n'a pas fait encore notre révolution économique. Et si vous voulez faire la révolution économique, il faut voir ce qui s'est passé en Malaisie, il faut voir ce qui s'est passé en Corée du Sud, il faut voir ce qui s'est passé au Rwanda. La révolution économique, c'est d'alléger les textes. C'est de simplifier la vie à l'agent économique. Ensuite, vous demandez à cet agent économique d'être plus productif et de payer ses impôts. La Tunisie, pour moi, a un seul slogan. Najar al-Aqtisadir wa Tavam. Najar al-Aqtisadir, c'est-à-dire on ne peut plus accepter qu'il y ait des entreprises publiques sous perfusion. On ne peut plus accepter d'être dans un système de compensation où, quels que soient vos revenus, vous accédez à ce système de compensation. Il n'y a rien à lire personnellement devant vous. C'est juste de l'indécence. Je trouve que c'est de l'indécence que je puisse, moi, accéder au système de compensation. Compensation énergétique, compensation alimentaire. Il y a d'autres modèles dans le monde et ça a été mis en place pour, précisément, au nom de la solidarité des Tunisiens, être capable de redéployer les puissances de feu financières de l'État qui sont aujourd'hui immobilisées, qu'on ne voit pas. Tout le monde parle du passif de l'État, personne ne parle de son actif. Je parle aujourd'hui de son actif et d'une meilleure manière, d'une manière plus intelligente de l'utiliser. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup à notre cher intervenant pour cette session très instructive et enrichissante. Et je vous invite à poser vos questions. Bonjour à tous. Je me présente, c'est Ebtissem. Alors, en fait, j'ai deux questions. Ma première question, dans le contexte de crise économique mondiale, et en particulier en Tunisie, où on voit la flambée de prix tous les jours, quels conseils donnez-vous aux particuliers qui veulent investir dans les marchés financiers? Voilà. Alors, il y a des questions? D'autres questions? Une autre question. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de privatisation des entreprises publiques, telles que la Rentea ou la Steg. Qu'en dites-vous à ce sujet? Et est-ce que vous adhérez à cette idée? Je sais que c'est assez intimidant de poser le premier des questions, donc merci madame. Bon, les crises et les marchés financiers, je vais vous citer une formule que tout le monde utilise, qui paraît-il a été une formule de Rockefeller, je pense, si ma mémoire est bonne. On dit souvent qu'il faut investir au sang du sang et vendre au sang du violent. Bon, nous sommes aujourd'hui malheureusement dans une crise majeure économique et socio-économique. Et effectivement, quand il y a une crise, ce qui se passe très simplement, c'est l'effondrement des prix en bourse. Et aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la bourse de Tunis, sans citer des cas, je ne suis pas là pour faire mon épicier ou mon marketeur de la bourse de Tunis. Quand vous voyez des banques qui traitent à moins que leurs fonds propres, bon, vous vous posez des questions. Quand vous voyez des banques traiter à 4-5 fois les bénéfices en termes de PER, quand vous voyez des banques qui ont des return on equity à deux chiffres et qui sont par terre jetées, quand vous avez de grandes industries tunisiennes qui sont dans des produits de grande consommation qui sont généralement protégés même des crises, parce que quand vous vendez des yaourts ou d'hygiène féminine ou des couches bébés, bon, qu'il pleuve ou qu'il grêle, ça va continuer à être consommé. Donc vous voyez un effondrement des prix. Donc il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, je pense que vous le savez, le stock picking. Bien regarder la bourse, regarder bien lire aussi les analyses qui sont faites, et clairement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir pourrait investir en bourse simplement en prenant aussi en tête une règle qui devrait s'appliquer. Investir en bourse à moins de 5 ans, c'est même pas la peine. La bourse n'est pas un casino, la bourse, c'est pas le hasard. Bon, bien sûr, pour vous amuser, vous pouvez dire, moi, je vais investir 100 sur les 100, je vais investir 90 dans des valeurs solides, qu'on appelle en anglais des blue chips. Et je vais prendre 10% de mon montant pour m'amuser avec, acheter, vendre. Ça, vous pouvez le faire. Mais si vous rentrez avec l'idée que sur les 100, vous allez à chaque jour acheter et vendre, vous n'allez, le grand gagnant de cette histoire, ça va être votre intermédiaire en bourse. C'est pas vous. Alors, je suis mal placé pour le dire, mais je vous le dis quand même. Maintenant, private et... Alors, NSA, déjà, Rabbi, c'est vrai que quelque part, des personnes qui me connaissent très peu me présentent comme un libéral sauvageant. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas par peur de ne pas y aller. Je ne le suis pas parce que je ne crois pas, je répète, je ne crois pas à une économie dirigée par un libéralisme économique à outrance. Il faut de l'intervention de l'État. Mais simplement, dans quel secteur l'État devrait être là? L'État devrait être là dans des secteurs que je viens de citer tout à l'heure. L'État doit arrondir les angles et l'État doit être un État redistributeur de richesses. Mais l'État doit laisser aussi la richesse se créer. Or, l'État tunisien ne laisse pas la richesse se créer à cause des lois et des règlements. Maintenant, les dogmes, est-ce que tu es pour une private, contre une private? Je vais répondre autrement. Je vous donne les privates qui ont été faites du temps de Ben Ali. Mathalan, les ciments. Tout
le secteur cimenterie tunisien a été vendu. Il y avait une simple exigence du gouvernement tunisien à l'époque. C'était très simple, c'était du bon sens. On va vendre le ciment parce qu'on a compris au bout de 50 ans qu'un État ne devrait pas faire du ciment. Il a d'autres chats à fouetter que de produire du ciment. Mais on va le vendre, mais personne ne va être viré. Et on va vous demander des plans d'investissement, notamment dans l'environnement. Notamment dans l'environnement. C'était ça les clauses, les principales clauses. Bon, c'était un gros document, mais les principales clauses, c'était ça. Résultat des courses. Les cimentiers tunisiens aujourd'hui, qui ont été vendus substantiellement aux étrangers, des Portugais, des Italiens, des Espagnols. Ces cimentiers, tout d'abord, sont moins polluants, parce qu'ils ont été obligés d'investir, ils sont moins polluants. Ces cimentiers sont rentables aujourd'hui. Quand je dis rentables, ça veut dire qu'ils payent des impôts aussi. Ces cimentiers sont en train de recruter du monde, ils n'en viraient personne, et la Tunisie n'a jamais manqué de ciment. C'est du bon sens, c'est pas du génie. Je ne vois pas un État produire du ciment. Il a d'autres. Je préfère qu'il s'occupe des milliers d'écoles et de lycées à l'abandon, qu'il s'occupe de l'installation des scanners et des IRM et de l'upgrade des hôpitaux tunisiens. Bien sûr, l'inflation est à 10%. L'inflation n'est pas à 10%. L'inflation est ressentie et beaucoup plus que 10%. Dans l'inflation, est-ce que vous intégrez que 14 000 étudiants sont dans le secteur privé et payent pour avoir de bonnes études? Non. La réponse est non. Est-ce que vous intégrez que la plupart des Tunisiens ne vont plus aux hôpitaux publics et vont dans des cliniques et payent sur des mensualités qui durent des années? La réponse est non. Donc l'inflation n'est pas une inflation de 9, 8 ou de 10. C'est-à-dire que l'inflation n'est pas les produits de base qui sont là depuis l'époque de Salah, d'ailleurs. Deuxième sujet, ou voilà, deuxième exemple dans le même cadre, c'est les banques. Regardez ce qui s'est passé avec la Banque du Sud. Les plus vieux parmi nous savaient ce que c'était la Banque du Sud. La Banque du Sud créée par Ahmed Ben Salah à la SS Banque de Janou pour développer le Janou Bitossi. Oh, c'est devenu une sorte d'un truc kafkaïen. La société était en fonds propres négatifs le jour où elle a été vendue. Fonds propres négatifs, comme la plupart des banques à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle TIG. Une banque prospère qui a recruté et qui a surtout permis, à mon sens, une concurrence plus importante, qui a rehaussé un tant soit peu le niveau d'ailleurs de la concurrence bancaire en Tunisie. Donc, maintenant, vous me dites, est-ce que je privatise la STEG? Incontestablement, non. Ni la STEG, ni la SONED, ni l'ONAS. Je préfère ne pas être dans le tabac. Nous sommes le seul pays au monde avec la Corée du Nord à être dans le tabac. Ce n'est pas un exemple. Pourquoi vous êtes dans le tabac et ensuite, en tant qu'État, vous voulez soigner le cancer? Et le tabac, il n'y a pas que le tabac en tant qu'industrie, il y a le tabac en tant qu'agriculture. L'État, c'est comme ça. C'est du bon sens, encore une fois. Je peux mettre la RNT en vente. Je peux dire l'investisseur ne peut pas virer quelqu'un. Deux, il doit investir tant de millions ou tant de centaines de millions de dinars dans l'agriculture du tabac. Nous avons une marque en Tunisie qui s'appelle le 20 mars international pour les fumeurs. C'est une cigarette très demandée dans le monde qu'on n'arrive plus à produire par cause de mauvaise alimentation du secteur agricole. Yanni, privatiser, c'est pas tout ou rien. C'est pas une logique de tout ou rien. Maintenant, l'argent que vous dégagez de ces transactions-là viendrait renforcer la STEC, qui est quasiment en faillite, viendrait renforcer la SONET. Bien sûr, je vais quand même jouer à mon politique. Et quand vous partez au KEF et que le KEF n'a pas d'eau, une ville d'eau qui n'a pas d'eau. Allez, parce que la SONET n'a plus les moyens de pompage. On ne peut pas, en Tunisie, continuer à croire qu'on doit avoir une grande compagnie d'eau, une grande compagnie d'électricité, une grande compagnie aérienne au mépris de ce qui se passe dans le monde, finalement, la souveraineté nationale. La souveraineté nationale n'est pas celle-là. Al-Italia est la majorité du Métihad. Mais il y a le drapeau d'Italie dessus. KLM et Air France ont fusionné. Toutes les grandes compagnies internationales ont été obligées d'avoir un partenaire technique. Et la souveraineté, il faut aller la chercher ailleurs. La souveraineté, c'est de ne pas tendre la main chaque 6 mois à des bailleurs de fonds et commencer à négocier avec des pays amis pour l'alimentation des pénuries. Elle est la vraie souveraineté. Donc, le discernement, il y a un seul mot qui manque à ce pays en ce moment, c'est le discernement. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? En tant qu'État, j'arrête pas de dire que le tourisme ne peut pas se développer sans tourisme résidentiel. Je m'explique. Un touriste résidentiel, c'est à peu près 10 touristes de passage. Parce que quand il va s'installer, il va ramener sa famille, ses amis, il va recruter du monde, il va investir, il va consommer. Donc,
c'est le modèle maltais, portugais, espagnol. Regardez ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Mais maintenant, si vous voulez développer ça, vous ne pouvez pas donner au cardiologue français qui vient de Lille ou à l'opnomologue italien qui vient du nord de l'Italie venir vouloir s'installer en Tunisie sa carte séjour un an après son arrivée. Et même dans le secteur d'éducation privée, je connais le sujet avec nos frères d'Afrique subsaharienne. Et Khadesh Mendoyan, de faculté privée, il faisait les tours des postes de police pour récupérer ses étudiants parce qu'ils n'étaient pas en règle, parce que l'administration n'a pas connu, etc. Parce qu'ils n'avaient pas donné à temps tu veux développer ça, tu as trouvé un marché. Les gens viennent en Tunisie comme étant un hub éducationnel et l'administration ne s'adapte pas. On n'est pas capable de dire il y a un bureau qui délivre, allez à Dubaï, vous pouvez avoir vos cartes, etc. en 24-48 heures. Vous pouvez être jugé d'une manière avec des iPhones et des applications et on vous convoque. يعني العالم تقدم بصفه كبيره واحنا ما زلنا ليغاليزاسيون تي ناتور وشي ورقه ورقه وتو نعملوا توريزم ريزيدون وتو ما نعملوش لوبن سكاي باش نحميو تونسير اسمع طلعه 10 ans sans open sky 10 ans au motif que bon il faut quand même protéger la compagnie aérienne nationale ben on attend 10 ans tunisier 10 ans après il est en faillite et on a raté 10 ans d'open sky parce que bah quand vous voulez concurrencer l'Égypte et le Maroc, vous ne pouvez pas le faire au niveau du tourisme si vous n'avez pas l'open sky. Demandez aux gens qui habitent à l'étranger combien coûte le billet d'avion pour venir en Tunisie. Yanni, avec ce prix-là, tu peux faire le tour du monde. Et continuez, Zeda, par la même occasion, à vouloir absolument qu'un Airbus A320 atterrisse au centre-ville. Et Marco, dans quel pays au monde vous avez vu des aéroports qui se trouvent au centre-ville? Et les cas-là, c'est, je dis pas de bêtises, 1000 hectares d'assises foncières de l'État. L'aéroport de Tunis-Carthage. Et de l'autre côté, vous avez une fille là qui est en faillite. Bon, le TGV, un grand monsieur a parlé d'un TGV, alors d'autant le faire entre le lac et une fille, là, pas entre. Hey, et débloquer la situation de l'aéroport de Tunis-Carthage. C'est des décisions qui vous paraissent simples. Et là où les idées les plus brillantes sont généralement des idées simples. Reprenez la loi d'avril 72. Je n'ai pas l'histoire d'avril 72. Ils ont pris deux décisions. Un, tu peux être totalement exportateur. Deux, tu as la douane sur place. Michel m'a donné, mais c'était du bon sens. C'était Jenny Shelley, c'est Mansour Maala, c'est Hedi Nouera. N'est-ce pas? Et il bled de bed. Il y en a un jour qui a fini d'y aller. Il y en a un qui a fini d'y aller. Il y en a un qui a fini d'y aller. Il y en a un qui a fini d'y aller. Il y en a un qui a fini d'y aller. Il y en a un qui a fini d'y aller. Il y en a un qui a fini d'y aller. Il y en في لي بروسيدور نتاعو عنده امر عالي يعني جاي من باب العالي من اسطنبول مازال يطبق فيه في 2022 لي لوا تونيزيان راه سي لي لوا دي زاني 40 50 60 لا لوا دو شانج اون تونيزي دي لوا دو 1976 اليوم كان واحد منكم تو انا نقوم نقول بربي جيبوا لي 1000 يورو اون كومبيان طون فو مي رامي ها فوالا اي دونك علاش ما نحلوش دي كونت واش هاد الفضيحه يعني كل واحد رواتهم مخبره شي العلم يا دنيا سي كوا سو تابو يعني ها حل لي كونت يحل الكريبتو موني حل الفريلانسر يخدم على روحه شنو انا نجيب ورقه وترجع ورقه وعمل اف 1 وعمل اف 2 وكل شيء لازم تعمل وفلوس التوانسه لبرا مطيشه وتونس حاجتها بفلوس فرق يعني هذا هو ترتيب البيت التونسي يعني حقيقه سي با دو جيني جو ديزولي سي دو بونس maintenant celui qui va faire ça va être courageux, doit être pédagogue, doit être enthousiaste, doit avoir de l'abnégation, doit aussi accepter de perdre les élections d'après. Schröder, il a réformé l'Allemagne, il a perdu les élections après. Il a pris les décisions les plus dures que les Allemands n'ont jamais voulu prendre. Bon, bien sûr, Badji, la chancelière Merkel, et tout le monde pense qu'il est vrai. C'est une dame qui a réussi, mais qui a réussi pourquoi? Parce qu'il y avait avant elle, Schröder, Alès Elhed a réussi, parce qu'il y avait lui avant lui, Ahmed Ben Salah. Et les nationalistes ont fait la réforme agraire. Mais il n'y a pas eu que la réforme agraire. Il n'y a pas eu que la réforme agraire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à cette époque. Donc c'est pour ça, j'espère ne pas être un homme dogmatique, un homme avec des idées fixes. Si vous me posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la privatisation, sans vouloir ne pas répondre à la question, ma réponse est toujours, c'est case by case. Yeah, I'm from this.
Par contre, la propreté des villes, il est maintenant la propreté des villes, parce qu'elle s'appelle la guerre, ne pourra se faire dans ce pays que s'il y a le PPP. C'est pour gagner les cathares. احنا في عودنا نعتبروها ثروة نعتبروها مصيبة يعني العالم أجمع تتعدى دوفان حشاكم صب زبلة سي كوم راهو اندستري فارماسيوتيك يا غيان يا اوكان غاز كي سو ديغاج يعني دون لو موند سي تيرميني سيت هيستوار يدخلوا بالعربية يثمنوها بيان سور يثمنوها احنا لي حرب محلولة وعقارب وحلوا سكروا دولة عازب صافي أرض دونك C'est pour ça que Rao, s'il n'y a pas cette... On a fait une révolution politique, d'ordre institutionnel. On peut en dire ce qu'on veut. Je suis heureux de vivre dans un pays libre, avec une presse libre. Moi, j'ai vécu 40 ans dans un pays où la presse tunisienne ne voulait rien dire. C'est une sorte de Pravda soviétique. اليوم انا يفوا با ندخل في العشريه السوديه هذا يربحنا مثلا لا فاكتور ايكونوميك اي تري لون مي لا فاكتور ايكونوميك بو ات ريغلي بو ات ريغلي افيك دو ديسيرنمون اي دو بون سونس ماشي يعني علم يدني يعني الثروه تحت سفينه من الظلم نعطيكم ان ديرنيغ اكزومبل بور با اي كي كون فو برودويزي 8 مليون دو تون دو فوسفات كوم اون لا في ان 2010 لو فوسفات ايت ا 300 دولار Ça fait 8 fois 3, 2,4 milliards de dollars. Ah, nous avons l'FMI 1,9 milliard de dollars à l'arbasni. Ou khirna. Khirna. 2,4 milliards de dollars at least. Elle est production de 2010. SN, ils produisent le phosphate. Ils produisent 2 millions. 2 millions en ayant multiplié par 6 le personnel qui travaille. Pachamlo, dans ce cas, ils ont divisé la productivité par 10. Le groupe. Chimique tunisien fonctionnait avec 6 000 personnes. L'IOM fonctionne avec à peu près 25 000. Et on a réduit du 3 quarts la production. Wart il phosphate est à 300 dollars, c'est historique. Le phosphate à tonne était à 80 dollars. Yanni Hede, bien sûr, moi je suis ici, c'est d'abord il est là, mais j'ai une arquette pour faire qu'elle est à Tawa avec l'arquette Tawa. Mais c'est ça la direction. Et elle est claire, mais qu'est-ce qu'on va faire du phosphate? Qu'est-ce qu'on va faire du port en eau profonde de Fès? Qu'est-ce qu'on va faire de tous les financements que nous avons ramenés quand j'étais au gouvernement du 2020? 34 milliards de dinars ont été donnés pour la Tunisie. À la des autoroutes ou des stations de dessalement, ou à la des quais de Rades, ou à la le pont de Benzert, ou à la Elf, je sais faire, mais à la les hôpitaux classe B. Et donc, voilà. Après, madame Anna, Yani, je pense qu'on a eu une grande révolution institutionnelle, politique. Il nous manque aussi de dire la vérité aux Tunisiens, de dire que la situation est très compliquée, mais que le potentiel est très grand. Si nous arrivons à prendre des décisions courageuses, peut-être qu'ils peuvent paraître impopulaires, mais avec beaucoup de pédagogie, on peut le corriger. Bonjour. C'est Mikchan. Voilà, en fait. Donc, je pose ma question. S'il vous plaît, on n'a pas encore fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là-haut, s'il vous plaît, restez dans vos places. On n'a pas encore terminé, s'il vous plaît. Donc, je suis ingénieur informatique, esprit. Et là, je suis en train de poursuivre un master en actuariat, puis USB. Pour vous avoir eu comme ministre de l'économie et de la planification, l'AFEC, l'EC libéral, j'y travaille encore. Mais Michel Rocard, qui est l'épaule, si on ne s'occupe pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. Hass Braik, qui fait chez le privé les mouvements,
pour pouvoir peser dans les décisions publiques. C'est une question très bachouère. Voilà, et c'est du courage. Il faut juste du courage. Et allez, aujourd'hui, quand vous êtes en train de bâtir une démocratie, en tant que citoyen, que vous soyez capitaine d'industrie, homme d'affaires, grand agriculteur, étudiant, intellectuel, sportif, vous avez le droit à votre opinion. Moi, je l'ai dit, on est dans le secteur privé, et les privés se sentent vulnérables. On ne sait pas pourquoi. Chacun a sa petite histoire. Avec la douane, avec la Caisse nationale de sécurité sociale, avec l'impôt, avec... Cette vulnérabilité fait que ces gens-là n'ont pas le courage de leurs idées et ne disent pas clairement que non, on n'est pas d'accord. Je le dis publiquement, ce n'est pas une attaque contre... Que fait la centrale patronale dans ce que nous vivons? La centrale patronale ne représente pas une partie de la population tunisienne. Quelle est la position? On sait grosso modo quelle est la position du GTT, quelle est la position des partis politiques, de quelques personnalités. Mais quelle est la position du TICA? Il n'y a pas de position. Donc, ma seule réponse, c'est du courage. Courage pour dire, je suis citoyen. Et cette vulnérabilité, elle est due à quoi? Elle est due à des complications de texte. Et Lyon, même si un Tunisien veut être transparent, il peut ne pas l'être. Et sur qui est le plus transparent? C'est le salarié. Il est payé, on lui retient à la source ses impôts, il déclare ses pile-poil. À partir du moment où quelqu'un devient salarié, slash actionnaire, slash propriétaire immobilier, slash promoteur, il lui faut un expert comptable pour sa déclaration fiscale. Quand tu savoir s'il y a un esprit aussi brillant que c'est pas, il est incapable de faire sa PUR. Je vous le promets, vous êtes incapable de faire votre PUR. Voilà. On ne peut pas aller mettre en doute le brio de cet homme. Oujib Akbar, mathématicien, donc c'est même un jeune chien de déclaration de PUR. Marco, par contre, comptable, il est âme, il n'a jamais mal à l'aide. خاطر فيها فازات وتحطها هوني ما تحطهاش غادي وراء وجيب ورقه ورجع فورميلات وهذا هي ولا دونك راهو سي سا نعاود ناكد لو درام دو سو بيي سي كون ا سي كوم ان ميل فوي يا يو لامبير اوتومان بعد يا يو لو بروتيكتورا فرونسي بعد يا يو لادمينستراسيون د انديبوندونس بعد يا يو لينا تونيزيان والتشريع سقوفي التشريع انا كنشرف الحكام راحنا نشرف بعد نسيو لي تيكست دابليكاسيون L'auditeur, l'économie sociale et solidaire, c'est Marquis Chaler, pour atténuer mon côté sauvage. Mais l'économie sociale et solidaire, alors c'est une vraie réussite dans le monde. Alors, mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas du snobisme intellectuel de croire qu'il y a une économie sociale. Mais tu ne sors pas une loi sans sortir les décrets d'application. Toutes les forêts tunisiennes, c'est de l'économie sociale et solidaire. Toute la petite agriculture, c'est de l'économie sociale et solidaire. Toute la microfinance, c'est une économie sociale et solidaire. L'inclusivité de ces métiers est extraordinaire pour l'économie. Et lui, maintenant, on a dit que demanderait le marché financier. Pourquoi on ne permet pas à des sociétés de microfinance? Tu sais, on a un microfinance. Mais on a une microfinance, c'est tout. On a un microcrédit, c'est différent. Et Michel, il n'y a pas de crédit. Mais pourquoi on ne permet pas, comme partout dans le monde, à ces sociétés de microfinance de se financer auprès de la Banque centrale? Pourquoi on ne permet pas à ces sociétés de microfinance de collecter l'épargne, comme partout dans le monde? On a tunisifié des concepts. On a tunisifié des concepts. À l'arrivée, quand vous ne leur permettez pas d'aller à la Banque centrale, le taux de sortie, quand vous prenez un crédit en microcrédit, il est à deux chiffres. Il est à deux chiffres, mais c'est du 20 et 22% de taux d'intérêt. Qui va rentabiliser derrière? Vous voyez, il est donné aux gens qu'on veut aider. Le bon sens et le discernement. Et franchement, il faut arrêter en Tunisie de vouloir tunisifier des concepts qui ont réussi ailleurs. Hier, vous les prenez en entier, voilà, vous ne les ramenez pas. Mais il y a une vie où je bidouille un truc. Merci d'avoir cité Rocard, qui est mon exemple. Quand j'étais jeune, incontestablement, c'était Aleh, c'est mon exemple. Je dis souvent de lui que c'était un homme de gauche, donc c'était un homme de cœur, mais c'était un homme pragmatique. Rocard n'est jamais rentré dans les délires idéologiques. Par contre, c'est un homme qui a fait le RMI, c'est un homme qui a fait la contribution sociale généralisée, mais c'est un homme qui a réformé les marchés financiers français. Michel Rocard et ses filles socialistes, machin, Pierre Bérégovoy, il est plus à gauche que le président Mao, à un moment
moment de sa vie, il y a Khalkouhoum à les marchés financiers. Qui fait que des socialistes peuvent faire ça. Pour une seule raison, c'est des gens qui n'ont pas de dogme. Des gens leur ont expliqué qu'il y avait un levier qui manquait au financement de l'économie française, qui était les marchés de capitaux. Eh bien, historiquement, Lyon, les marchés financiers français ont été créés par des socialistes. Et ils ont bien fait de le faire. Lyon, le financement du trésor français se fait par des OAT via le marché financier français. Ou le... Hein? Bon, longtemps après, Strauss-Kahn, mais elle a une des figures du socialisme, voire même au-delà du socialisme. Pierre Bérégovoy, c'était un cheminot, alors, Pierre Bérégovoy. C'était le ministre des Finances et de l'économie. Il a réformé les marchés financiers parce qu'il a compris que c'était un levier qui manquait à l'économie française. Mais il y a une idéologie. Il y a une idéologie, comment on appelle ça, les canevas idéologiques. Il a compris, il l'a fait. Bonjour. Je me présente, je suis Kenza Bourdach, étudiante en master en management digital et système d'information. Merci d'avoir présenté l'histoire de l'économie tunisienne du XXe siècle. J'aimerais vous demander comment peut-on faire face aujourd'hui à la dégradation du dinar dans le marché et quelles solutions pouvez-vous nous proposer. Sinon, ma camarade a une autre question si je voulais répondre aux deux en même temps. Merci. Quel est l'effet des crises successives à la fin de ça? Je suis étudiante de master finance digitale. Et quel est l'effet des crises successives, qu'elles soient économiques, financières ou sociales, sur les marchés financiers? Merci Kenza, merci Fatma. Je vais commencer par répondre à Kenza, yani, par rapport à la dégradation du dinar, par rapport à l'euro. Yani, comment, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est ça? Voilà, bon, je vais vous répondre une question très politique. Sauf toute dégradation, on ne peut faire face à une dégradation que par une reprise économique. Maintenant, je vais jargonner un peu, désolé. Reprise économique veut dire là où l'économie, dans une économie, il n'y a pas 25 000 moteurs d'économie, il y a trois moteurs. Il y a le moteur de l'investissement public, qu'on appelle, après, dans notre jargon au ministère des Finances, le titre 2. Oubliez que ça s'appelle le titre 2. Il y a un État qui fait des autoroutes, des routes, des hôpitaux, un pont, tout ce que de, l'infrastructure. Pas que l'infrastructure, ça peut être une infrastructure technologique aussi. C'est à connaître, Tunisie Télécom, Chamlet, etc. Et dès que, où est-ce qu'il est bloqué? Il est bloqué par deux choses. Il n'y a pas de motivation d'administration quand vous avez la tête du pays qui dit. Ça ne peut pas aider, hein, clairement. Et l'article 96 du Code pénal. N'importe quelle procédure pas en place, le haut fonctionnaire de l'État se retrouve en prison. Et on a vu des ministres valeureux, hein, de l'ère de Ben Ali, en prison à cause de la disposition de l'article 96 du Code pénal. Donc ici, on lève les freins, mais on n'arrive pas à les investir. Donc ce moteur est fragilisé. Au lieu que l'État investisse 4, 5, 6, 7 milliards de dinars chaque année, il va investir que 500 millions de dinars. Et c'est pour ça que Deuxième moteur, c'est le privé tunisien. Le privé tunisien intitulé sans aujourd'hui dans un mood, dans une humeur d'investir dans ce pays. Même chose, il y a un discours politique extrêmement violent qui dissuade, et même si tu vas aller voir un privé tunisien, tu lui dis comme Staffaroni, tu n'as pas de pétrole. Le vrai moteur d'un investissement privé, c'est la confiance avant tout. C'est sûr la rentabilité, mais aussi la confiance. Donc, deuxième moteur en panne. Troisième moteur en panne, c'est le marketing de la Tunisie. Il dit comment la Tunisie, Lyon, m'a pris comme un exemple, je ne vais pas dire qu'il m'empêche de dormir, mais presque. Et la Tunisie, malgré la gabégie ambiante, nous sommes le troisième producteur de gin au monde. Au monde, là, on est fait Coupe du Monde, on est en demi-finale. Tadjin, faute de lettres, fait foot, au moins fait djinn. Mais l'objectif qui était de demi-finale, tadjin. Demi-finale, on a Coupe du Monde, tadjin. D'accord? Il faut prendre trois ou quatre décisions que personne ne prend.
il faut ramener, il faut aller marketer le pays. Alors allez, chez Rakelko. Il y a eu le Covid. Les Européens se sont rendus compte que la Chine finalement était très loin, que la logistique coûtait beaucoup d'argent, que le transport a été multiplié par 3, par 4, par 5, par 6, que finalement il y avait un super pays juste à une heure de vol et à une demi-journée de navigation qui s'appelait la Tunisie. Mais personne ne va aller marketer. Il dit, la Tunisie, c'est extraordinaire. Mais là, la Tunisie, c'est extraordinaire, certes, mais il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a l'Europe de l'Est, ils sont en concurrence directe. Donc, ce troisième moteur aussi est en panne. Donc, pour répondre clairement à Kenza, tu veux avoir une monnaie forte, tu veux avoir une richesse qui se crée, tu veux avoir plus de solidarité, tu veux régler les gros problèmes socio-économiques, c'est de faire de la croissance économique, cette fois inclusive, au but avant. C'est vrai que je ne t'ai pas répondu, mais celui qui va être au pouvoir, s'il ne comprend pas qu'il a trois machines ou trois moteurs qu'il doit faire redémarrer, eh ben, il n'arrivera à rien faire. Pour Fatma, bon, les crises socio-économiques et économiques de manière générale ont toujours les mêmes conséquences dans les marchés financiers, c'est la peur. Les gens se réfugient dans d'autres classes d'actifs. Et généralement, ce qui se passe, c'est la crise, elle touche les marchés financiers, les marchés financiers s'effondrent, l'or est à plat et l'immobilier est à plat. Ce qu'on appelle des valeurs refuges, c'est des actifs refuges. Maintenant, les plus solides et les plus intelligents et les plus... les plus intelligents vont continuer à investir dans les marchés. Entre les meilleures affaires, je le disais, je répondais tout à l'heure à votre collègue, se font pendant les périodes de crise. Bon, bien sûr, quand quelqu'un achète ça, pas en étant dans un état d'esprit d'être dans un casino, de bien lire ce qu'il va acheter, d'avoir de la recherche, et qu'il croit que les femmes fitons, des valeurs bancaires leaders de leur secteur qui sont à la moitié de leur fonds propre en termes de capitalisation, il y a un truc qui tourne pas rond. Hein. À un moment, ils vont traiter, comme partout dans le monde, une fois et demie ou deux fois les fonds propres. Bon, ça fait multiplier par 4 la valeur actuelle. Bon, je t'incite pas à acheter, alors vas-y, prends-moi. Bonjour. J'ai trois questions. Aziz Kassi, étudiant en deuxième année. Quelles sont les conditions nécessaires pour déclencher le principe dont vous avez parlé toujours, Gérard Palin, avec les investisseurs étrangers comme l'exemple des berges du lac, surtout dans cette période de crise pour la Tunisie? Et est-ce que vous voyez que c'est le moment d'oublier le tourisme pour la Tunisie, surtout avec la forte concurrence avec le Maroc, et se focaliser sur l'agriculture et l'industrie? Dernièrement, les syndicats, est-ce qu'ils semblent vraiment un grand problème pour une économie fragile comme la Tunisie? Merci. Je rapidement à les trois petites questions. Quand est-ce que je vais appliquer Jalat Alam? La réponse est entre tes mains. C'est le jour où tu vas m'élire. C'est clair? On fait un deal, c'est très simple. Et puis tu amènes l'élection, ou on a comme un bad match à Autriche. Je ne peux pas le faire, Annie. Je peux théoriser dessus ce que je suis en train de faire en donnant des exemples pratiques. Merci de m'avoir rappelé.